Bon bah salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on part avec Dylan pour une semaine de pêche à Ictus La Prade. Donc c'est un des nouveaux plans d'eau d'Ictus Corrèze. Donc j'espère qu'on fera pas mal de poissons, des écailles, du gros poisson. Puis si on peut faire de la couleur avec, ça serait vraiment top. Donc voilà, c'est parti pour une semaine de pêche à Ictus La Prade. Donc voilà, on est la première nuit vient de se passer. Une nuit assez calme. Dylan fait une touche dans la nuit, puis je fais une touche au petit matin. Puis là, depuis ce matin, c'est assez compliqué. Le vent tourne pas mal. On a mis l'amorçage en place et puis ça fait la deuxième touche sur l'amorçage. Je décroche une belle miroire d'une quinzaine de kilos, je pense, là, il y a 40 minutes. Puis là, première vraie écaillée de la session. C'est pour ce genre de poisson qu'on est là, donc vraiment ça fait plaisir. Devant la belle vue, devant le château, c'est cool. Alors voilà, on se retrouve pour un joli poisson. Le premier depuis 32 heures à peu près, un peu compliqué. Mais tout travail mérite récompense. Pris sur un maïs roc avec un petit stick de pelet perdu. Et ça paye. Donc on va continuer comme ça. Et puis on verra bien. La petite release. Voilà le poisson avec lequel j'étais en combat, donc une piqûre parfaite. C'est cool parce qu'au départ on a vachement galéré, les poissons se piquaient n'importe comment. Donc là un hameçon VMC et un triple corne blanc monté sur un combi reel, et franchement avec un stick de pelet c'est le top. Voilà le montage avec lequel je viens de faire la petite miroire. C'est celui aussi que je vous avais présenté précédemment. La triple corne blanc, stick de pelet. Et voilà, ça part. On est mercredi matin. Première déroule de ce matin, encore une fois une nuit stérile. Les nuits sont hyper calmes sur notre poste, on n'arrive pas à toucher de poisson. Mais là ce matin, un beau poisson qui doit faire dans la douzaine de kilos, je pense. Sur toujours un stick isolé avec un triple corne rose cette fois-ci. Donc voilà, on gratte quelques poissons par-ci par-là. Les poissons ont vraiment du mal à rentrer sur l'amorçage. Donc on verra bien si ça change pour le restant de la semaine. Ah,
Moi, je vais vous parler de ma stratégie de pêche. Donc, après avoir essayé à plusieurs reprises de créer un coup général, d'amorcer régulièrement dessus, essayer de faire rentrer les poissons qui sont restés vraiment inactifs sur les gros amorçages, ma pêche se résume vraiment au stick. Donc là, c'est un stick de pellet en 8 mm avec un pellet rock noir équilibré qui vient juste se poser sur le dessus. Et je cible les poissons en les voyant sauter ou fouiller. Et je lance vraiment juste uniquement ça. Toutes mes touches se déclenchent à ça. Donc après, j'alterne aussi suivant le nombre de déroules que je fais. Là, j'ai du triple corne rose. Et je l'ai aussi en blanc, là, déjà de préparer. On a du orange, du jaune. On alterne un peu tout ce qui est couleur pour arriver à faire décider les quelques poissons qui sont mordeurs. Dylan était sur un autre poste et sa canne de droite a déroulé, une canne en bordure avec un triple corne et une superbe ghost qui doit faire dans les 10-12 kilos je pense, un super poisson, donc c'est cool. On fait quelques touches en journée, ça s'est un peu accéléré depuis hier, on fait un peu plus de touches, donc ça c'est sympa. Donc bon, on va remettre la canne à l'eau et puis essayer de refaire encore quelques poissons. Et forcément, l'ardillon est passé. Donc voilà, on se retrouve. On est jeudi matin. Donc encore une fois de plus, la nuit aura été vraiment calme. Juste un seul bip sur la canne de gauche. Mais sinon, rien de plus. Donc moi, j'ai rien changé sur ma stratégie pour le moment. Parce que ben, je sais que là, d'ici une heure ou deux, on va commencer à toucher au stick en plein eau. Mais Dylan, lui, il a modifié un petit peu. Moi, j'ai fait un amorçage très lourd en bordure. Vraiment à mon extrême droite. Il doit y avoir entre 2 mètres et 2 mètres 50 d'eau. Et il y a une cassure tout de suite à 5 mètres, c'est le chenal là où passent très certainement les poissons. Donc on verra bien si ça paye. On a eu beaucoup de sauts sur cette bordure cette nuit. Donc je pense que dès qu'elles vont rentrer dessus, il y a moyen de faire 2-3 poissons. Cette nuit, il y a eu énormément de sauts. Et Ça a pas mal changé des autres nuits qui étaient vachement calmes niveau activité tout ça, mais c'est pas pour autant qu'on a fait du poisson, donc bon, on espère en faire dans la journée. Voilà, on vient de se prendre une belle averse où il a plu vraiment à grosses gouttes. Et puis là, j'ai replacé une canne sur une bordure avec un triple corne rose, si je ne me trompe pas. Ouais, rose. Et elle n'a vraiment pas fait 5 minutes, ça fait vraiment 2 minutes et la canne s'est mise à dérouler. Donc franchement, c'est cool, un poisson un peu abîmé, mais avec de belles couleurs, une belle petite bicolore qui doit faire... 10 kilos je pense, donc ouais, ça fait plaisir. C'est dommage, il lui manque une grosse écaille. Je pense que c'était un poisson qui était vraiment sympa avant. Donc voilà, on va la remettre à l'eau et puis on va essayer de regratter une ou deux touches. On est jeudi soir, donc la journée aura été assez compliquée. On fait trois touches de poisson. Je fais une décroche et deux poissons, deux miroirs, une bicolore, donc c'est assez sympathique. Un poisson qui était un peu abîmé malheureusement, mais c'est assez compliqué. On gratte des touches à droite à gauche, mais il n'y a rien de bien concret. Du coup là, il est 19h30, Dylan vient de partir, il est allé changer de poste, il est allé sur la berge d'en face pour essayer de débloquer un peu sa pêche. Il a l'air confiant sur sa nouvelle technique, donc on espère que ça va lui changer. Et puis moi, je vais continuer avec mes deux cannes en plein eau au stick. Essayer de localiser les poissons. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus tournés, ils ont un peu plus changé. Donc essayer de les retrouver avant la nuit, ça serait cool. Puis pourquoi pas essayer de faire une touche de nuit, parce qu'on n'a fait qu'une seule touche de nuit depuis le début de la session. On fait tout la journée, donc ça serait cool d'arriver à avoir une petite déroule cette nuit. Donc voilà, on est jeudi soir, il doit être 23h je pense. Petite touche, vraiment juste toute petite touche. Le fil s'est à peine tendu, puis ça... Puis j'ai pris contact directement. Donc un beau poisson qui doit faire dans les 8 kilos je pense. Ma première touche de nuit ici, donc ça fait plaisir. Bon, on va remettre ça à l'eau puis je vais aller me changer parce que je caille un petit peu. Donc voilà, il est 1h, on est vendredi matin. Je viens de me reprendre une tirée sur une de mes cannes, donc je me suis dit que j'allais refaire quelques sticks pour... au cas où dans la nuit ça redéroulait. Je la laisse pêcher encore 5 minutes histoire de, au cas où ça repasse dans le coin. Et en attendant, j'ai fait quelques sticks,
J'ai repréparé quelques badines, j'ai tout remonté pour avoir vraiment de quoi faire au cas où ça déroule, que ce soit prêt, que je sois efficace. Donc voilà. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à, j'attends encore une ou deux minutes. Je vais aller replacer toutes les cannes pour être serein pour la nuit. Et puis avant-dernière nuit, donc on croise les doigts pour essayer de ressortir une ou deux pépites encore d'ictus. Ça sera voilà, vraiment sympa. Il est 8h30, on est vendredi matin. La nuit aura été calme après la touche de la miroir et puis une petite tape dans la canne, donc je sais pas ce que c'était. Et les cannes sont déjà replacées, tout pêche depuis un petit moment, donc on verra bien ce que ça donne. Je continue d'entretenir à un poste qui était sur le poste de Dylan à la base. C'est une règle pour mesurer la hauteur d'eau qui est le long de la digue. Et c'est un endroit qui est moins profond sur le bord de la digue. Donc je pêche là et c'est là où j'ai fait la ghost et la bicolore. Donc je continue de l'entretenir, je ne le pêche pas encore pour le moment. Je risque de le pêcher plutôt dans la journée et dans la nuit, dans la dernière nuit qui nous reste. Et puis on verra bien ce que ça donne en espérant refaire un beau poisson. Oh. On y a cru. On y a cru très très fort. Bon, il est 1h30. Je viens d'avoir une touche retour, et au lieu de retendre la canne et d'attendre, bah, j'ai ferré comme un con. Et il n'y avait rien au bout. Du coup, bah, change de plomb. Passer sur un peu plus gros pour un peu plus d'auto-ferrage. Puis on va essayer de refaire une touche, punaise, ça me fait chier. Ah, je suis dégoûté. Bon, je refais un petit coup en vitesse, il est 4h15 du matin. Je viens de faire une déroule sur ma canne en bordure. Donc je vais devoir aller la replacer une fois de plus avec toutes les touches que j'ai eues. À chaque fois que je replace, je préfère être en avoir le cœur net et être sûr que ça pêche. Donc là, c'était sûr que ça pêchait, c'est cool. Je vais aller remettre un stick, me reprendre la canne et la reposer en bordure. Le chemin retour et au retour est un petit peu plus compliqué, c'est ça qui est pénible avec tous les arbres, passer la canne et tout le bazar. Mais si le spot donne, ça vaut le coup. Donc là, je viens de faire une toute petite commune. Je vais la laisser dans l'épuisette parce que l'eau est froide. Et je vous la présenterai en vidéo demain matin au lever du soleil. Le lever du soleil. C'est une belle petite commune. Elle a des couleurs assez noires et tout ça. Donc ça pourrait être sympa. Donc voilà, bon, je vais aller replacer la canne. Puis essayer de me rendormir un petit peu avant que le réveil sonne. Là, dans une heure à peine. Donc bon, allez. Ça c'est la commune de cette nuit, donc sur une des 4 déroules que j'ai eu, et donc ça fait plaisir, un poisson bien sombre, c'est cool. Pour la dernière nuit c'était un peu plus mouvementé, donc ça fait plaisir. Donc bon, c'était sympa. Là on a tout replié, on a plus qu'à charger dans la voiture et puis on rentre. Bon, en déchargeant le matériel, on s'est rendu compte qu'on avait un voyageur clandestin avec nous. Donc voilà, c'est cette session d'une semaine de pêche à Ictus Laprade qui se finit. Donc vraiment une très belle découverte d'un magnifique plan d'eau. Pour ma part, j'aurais fait de très beaux poissons. J'aurais fait une linéaire, une koi, une ghost, une bicolore et un gros poisson. Donc vraiment, j'ai rien à demander en plus. Et c'était vraiment une très belle découverte d'un plan d'eau. Donc... session à refaire.